J'ai ouvert mon studio de yoga. C'est incroyable de le dire, c'est incroyable de le vivre. Mais je l'ai fait et aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi c'est important de croire en soi, pourquoi c'est important de vivre la vie qu'on a envie de vivre et de pas passer à côté. Et si vous me suivez sur Instagram, vous faites sûrement partie de ceux qui l'ont remarqué. C'était une année compliquée l'année dernière pour moi, sur à peu près tous les plans d'ailleurs, tous les plans que vous pouvez imaginer. C'était vraiment compliqué et tout le monde le remarquait, que ce soit mes proches, que ce soit des gens que je ne connaissais pas, mais qui me suivaient juste sur les réseaux. T'as perdu du poids, ça va pas bien, qu'est-ce qui se passe, est-ce que t'as envie d'en parler? Donc c'était adorable, mais bon, j'en avais pas du tout envie. Mais voilà, je me suis dit, ok, il va falloir faire quelque chose. Il va vraiment falloir faire quelque chose. Ce que j'ai fait. Les plans perso, je vais pas vous en parler parce que je pense pas que ce soit hyper intéressant et puis c'est des histoires tristement banales. Mais professionnellement, je vais vous en parler. Parce que c'est ça qui motive la vidéo d'aujourd'hui. J'aimais ce que je faisais. Après, il y avait plein de choses qui n'allaient pas autour, mais vraiment ce que je faisais, j'avais mis 10 ans pour atteindre ma thèse. Et donc j'y étais, j'adorais ça. Et il y avait plein de choses autour qui ont fait que je ne pouvais pas. Et j'avais toujours dans un coin de ma tête l'envie d'ouvrir ce studio, de vivre cette vie qui me paraissait incroyable. Voilà, je me l'imaginais souvent. Bref, et j'ai cru en moi et je l'ai fait. J'ai ouvert un studio et effectivement, c'est vraiment la vie que j'imaginais. C'est-à-dire que je me lève le matin, il n'y a que des gens avec qui j'ai envie de travailler. Et ça, c'est incroyable. C'est que des gens qui m'intéressent, où il y a toujours des super échanges. Et ça, c'est le yoga et c'est génial. Et je suis hyper reconnaissante pour ça. Mais au-delà de ça, c'est je pars quand je veux. C'est-à-dire que enfin, c'était la première fois de toute ma vie que je ne faisais pas une rentrée des classes. C'était quand même assez incroyable. Là, voilà, si je leur dis, écoutez, la semaine prochaine, je suis pas là, et ben, je m'en vais. Enfin, voilà, je fais vraiment ce que je veux. Et c'est incroyable juste d'investir en soi, de croire en soi et de se dire, ok, ça marche, quoi. Et ça, c'est fou. Je sais pas combien de temps je vais le vivre. Peut-être que l'année prochaine, je ferai complètement autre chose. Peut-être que je vais en vivre 10 ans, 20 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, je sais que j'ai une chance incroyable de vivre ça. Je pense que n'importe qui vit de sa passion vous le dira, c'est autre chose. Bon, déjà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens passionnés dans le sens vraiment où on quitte tout pour ça et voilà, on vit de ça et même si c'est galère, c'est pas grave parce que c'est incroyable. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Il y a des gens qui ont des hobbies, etc. Mais les passions, c'est autre chose. Et voilà, c'est quelque chose qui vous ronge, qui t'a quitté voilà, un job qui était promis. Enfin, moi, j'ai quitté un truc où ça allait être vraiment cool, quoi. J'allais avoir un bon salaire, un taf intéressant. Enfin, c'est ça en plus, c'était un taf intéressant. Hein. C'était vraiment quelque chose qui me plaisait et tout. Mais il y avait autre chose qui m'appelait dans les tripes, quoi, qui m'appelait vraiment au fond. Et je me suis dit, il faut que je le fasse, il faut que j'essaie. Et peut-être que j'aurai des regrets, peut-être pas. Mais en tout cas, j'aurais essayé, quoi. J'aurais essayé et voilà. Mais voilà, là, cette année, il y a tellement de beaux projets qui arrivent. C'est fou parce que, en fait, il y a eu un élément déclencheur où, voilà, j'ai dit, ok, ça, c'est stop, on arrête. Et du coup, c'était sur le plan personnel. Et il y a tellement de choses qui sont arrivées depuis. Enfin, c'est assez fou. J'ai eu des... Enfin, là, je vais faire des formations avec un professeur que je trouve juste incroyable. En décembre, je pars, ça va être juste fou. Je vais essayer de faire sa formation de professeur également, mais rien que ça, là, d'y aller en décembre, ça va être incroyable. Je vais beaucoup plus voyager parce que ça me manque et parce que je me sentais plus. Enfin, j'avais plus envie de rien, en fait, j'avais plus envie de rien. Les seuls moments où je me sentais bien, en fait, c'était quand je donnais mes cours. Donc, je me suis dit, ok, il y a peut-être un truc à gratter ici. Mais voilà, c'est fou comme parfois il suffit juste de tourner une page pour qu'il y ait un bouquin merveilleux qui s'ouvre. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vous disent sûrement ça et que vous y croyez pas. Et moi, la première, enfin, quand j'ai tout arrêté, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, j'ai plus de thunes, j'ai plus. Enfin, tout s'écroulait. C'était une galère monstrueuse. Et heureusement que je suis bien entourée. Heureusement qu'il y a des gens qui ont été là pour m'aider. Ils le savent, hein, je les remercie tout le temps, mais c'est grâce à eux en partie aussi que je vis ça. Et j'aurais jamais cru ça possible juste avant l'ouverture. Enfin, il y avait tellement de choses à régler, il y avait tellement de choses à faire, il y avait tellement de choses qui étaient lourdes dans mon cœur. Et au final, je me suis dit, ok, si je me lance dans ce truc qui est vraiment mon rêve, je peux pas être avec des choses qui me pèsent autant. Donc même si ça va être difficile, même s'il y a des choses, il va falloir les digérer, etc. Et ben
ok, il faut que ça passe et il faut que tu sois à fond dans ce que tu fais et je le suis. Et c'est génial, et même s'il y a des moments où c'est un petit peu plus dur, mais il y a vraiment eu, enfin, comment vous dire, des planètes qui se sont alignées en disant ok, c'était le bon choix à faire pour aujourd'hui. Peut-être qu'à un moment il faudra faire autrement, mais voilà, vraiment là, je me dis j'ai une chance incroyable. Et je sais bien que quand on vous dit lance-toi, ça fout la trouille parce que, bah, parce que la sécurité, parce qu'on est humain et parce que notre corps et notre esprit est vraiment fait pour nous garder en sécurité. Mais après, enfin. Je sais que vous le voyez parce que tout le monde me le dit. Je sais que vous le voyez à la caméra si vous regardez des trucs. Enfin, on voit, j'ai pleuré, je suis pas bien, je viens de vomir. Enfin, c'est un truc, c'est horrible. Là, ça va beaucoup mieux. Alors, bon, physiquement, si, ça commence à se voir. Hein, ça commence à se voir un petit peu, ça va mieux. Je me sens mieux. Il y a tellement de choses qui vont mieux. Et je remercie mes élèves d'avoir cru en moi, de continuer à être là. Je remercie mes proches d'absolument tout parce qu'ils ont tout fait pendant cette période. Ils étaient incroyables et voilà, mais je pense aussi qu'il ne faut pas oublier de se remercier soi parce qu'à un moment donné, c'est quand même soi qui. Enfin, c'est quand même nous qui faisons les choses. À un moment donné, on a beau. Il y a des choses que même les gens qui nous aiment le plus ne peuvent pas faire à notre place et voilà, je sais pas. Peut-être que je regarderai cette vidéo dans quelques années et je me dirai, mais. Remercie-toi parce que c'est incroyable ce que tu as fait et de toute façon, ça ne pouvait plus durer autrement, mais. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai ouvert mon studio, c'est incroyable. Je suis ravie avec toutes les personnes avec qui je travaille, je suis ravie de toutes les opportunités que j'ai parce qu'il y en a des très belles. Et vraiment, à un moment, quand vous sentez au fond de votre cœur que ça va pas, quand vous le sentez, quand votre corps vous le fait ressentir, quand tout le monde vous le dit, à un moment, c'est peut-être de se dire « Ok, ça va pas et on n'a qu'une putain de vie et si on la vit bien, elle est suffisante. » Mais il y a plein de leçons à apprendre tout le temps, mais à un moment, il faut savoir les prendre, il faut savoir les entendre, il faut savoir se dire « Ok, stop, j'arrête. J'ai donné tout ce que je pouvais pour, par exemple, cette relation, pour ce job, pour ceci, pour cela, j'y arrive pas. J'ai autre chose qui m'appelle, j'ai le cœur ailleurs, on y va, quoi. » Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que la vie dont vous rêvez, elle est peut-être pas si loin, peut-être que des fois c'est des montagnes monstrueuses, mais que vous allez avoir des petites personnes qui vont vous pousser et que vous, vos quadriceps vont être beaucoup plus costauds que vous le pensiez. Et puis quand vous y êtes, bah, il y aura toujours plus à faire, mais au moins vous êtes aligné avec vous-même et vous avez eu raison de vous écouter. Et voilà. Si je l'ai fait, je vous assure que vous pouvez le faire, vraiment. Je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous et faites du yoga.